Vous n'êtes pas couché? Non. Donc vous êtes toujours debout? Ouais. Comme disait un certain chanteur. Tu crois? Quand je pars, ouais. Quand tu veux. Donc, toujours debout. Ouais. Ben moi, j'ai sorti un album qui s'appelle Jamais Assis. Bon, ça n'a rien à voir. On va partir sur... Vous connaissez Hexagone, la chanson? Oui. Alors moi, je me suis permis de réécrire les paroles. Il y a des gens qui m'ont un petit peu dénigré au début, qui me disaient « T'as pas le droit de t'attaquer à un tel monument de la chanson. » J'ai dit « Ferme ta bouche, tu m'écoutes. Après, tu viens me cracher dessus si tu veux. » Et en fait, la fille, après, on a passé une bonne soirée ensemble. Oh. On passe toujours au mois de janvier, car une nouvelle année recommence. Renan nous l'avait bien chanté depuis un grand point de la France. On a même eu droit à Le Pen, c'est-à-dire le nombre de tordus. Allez, vas-y, provoque la haine, un jour elle te tombera dessus. En février, on dirait que ça les étonne. À part Coluche qui avait bougé, les autres y a longtemps qui plafonnent. Je suggérerais à nos amis de goûter à la réalité. Passer une nuit dans les rues, ça les ferait sûrement converger. Et quand se pointe le mois de mars, on compte les gens qui sont classés en faisant annoncer par une garce des chiffres carrément faussés. Et maintenant personne s'indigne, tous se scotchent devant leur télé, avec le produit de la vigne à la place de la langue de chevet. On ne parle de la France, comme du pays des libertés. Car des Nord jusqu'en Provence, c'est chaque Français qui se fait baiser. On leur a dit que le mois d'avril serait le mois de la gaieté. J'ai pas dit qu'ils étaient débiles, bien que l'idée m'ait traversée. Vive la télé-réalité, c'est presque 30 millions d'amis qui ensemble vont se retrouver devant la Star Academy. Heureusement, il y a eu le mois de mai, qui a donné une lueur d'espoir, chassant le petit enculé qui allait plonger la France dans le noir. Depuis François est arrivé avec de moins mauvaises idées, on a eu tous le droit de rêver, l'Hexagone a respiré. Et déjà dès le mois de juin, il y a un problème et pas mineur. Ça s'appelle Valsy les crétins, les ministres de l'Intérieur. Et pourquoi il a expulsé des gens qui étaient à l'extérieur, leur a même jamais proposé de leur trouver en intérieur. C'est qui se fait baiser. Et pour ce qui est de juillet, là j'étais devenu très méchant pour le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement. Assassin, je crois, c'est le mot qui correspond, qui va le mieux pour cette bande de salauds qui ont laissé mourir nos vieux. Plus qu'il était au camping et ses gels bobonnes, ça serait peut-être le moment pour ses coachs, peut-être y a de l'ozone. Mais faire comprendre à nos amis que la pollution c'est aussi bon. J'ai essayé ma foi, tant pis, j'en ai convaincu qu'un ou deux. Avec septembre et sa rentrée, avec de nouvelles lois pourries, en silence ils ont adopté les pondérants de Sarkozy. Que dire de Nicolas qui fait son 18 au golf, à part peut-être que son papa aurait dû l'appeler Adolphe. On ne parle plus de la France, pas du pays des libertés. Car les gens
qu'en France. C'est chaque Français qui se fait baiser. Et déjà dès le mois d'octobre, gros problème au gouvernement. Ça va se finir à coup de pioche au sein même du Parlement. François est atteint d'amnésie, et ça c'est vraiment plutôt moche. Il a oublié ses amis, ceux qui sont réellement de gauche. Et voilà qu'au mois de novembre, on parle de légalisation. Mais qui c'est qui va nous le vendre? Certainement pas le père Fillon. Et avec un monde comme Hollande, on devrait pouvoir s'arranger et construire un cannabis land juste à côté de celui de Mickey. Le Père Noël va-t-il se pointer, à moins qu'il soit allé se pondre devant la misère des Français. Mais n'ayez pas trop le cafard, on va finir par être sauvé par nos émirs du Qatar qui ont réussi pour le PSG. On ne peut pas parler de la France comme du pays des libertés, car du Nord jusqu'en Provence, ce qui se fait. Waouh. Le titre de mon dernier album, que je vous invite d'ailleurs tous à faire l'acquisition, parce qu'en fait un musicien ça mange. Ça boit, ça pue, ouais, enfin il y a plein de trucs. En tout cas, c'est Ultime Solution. Chanson écrite, c'est bien précisé, 6 mois avant le mouvement Gilets jaunes. Et pourtant ça colle. Je veux pas faire rebelle, mais la France comme nation, elle devient trop pas belle, regarde les élections. Entre un vote poubelle et le père de cette nation, je prie la tire d'elle, la roue de l'abstention. Direction la ruelle, car plus d'habitation. Lorient ou La Rochelle, y'a de plus en plus de carton. Tu seras suivi ou celle qu'on appelle sans maison. Plus de fois, plus d'emails, rien que des illusions. Pas. Foutre le bordel.
faut y aller tout droit. Je provoque l'étincelle et toi tu le drames.